Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui chez Cybergun au siège social. On a eu la chance d'être invité par Raphaël. Je vous en dis pas plus, venez découvrir avec moi. Salut Raphaël. Salut Exec, bienvenue. Merci beaucoup de nous inviter chez Cybergun pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer un petit peu ta fonction chez Cybergun? Donc du coup, je m'appelle Raphaël, je travaille chez Cybergun depuis 3 ans. Je suis airsofter à la base, responsable du marketing digital et de l'image de marque chez Cybergun. Donc ça peut paraître un peu compliqué, pompeux. Dans les grandes lignes, je gère tout ce qui est réseaux sociaux, les partenariats, les influenceurs. Les événements pour la France et le monde, donc ça comprend le Shot Show et l'IWA pour ceux qui sont les plus connus, et ça comprend plein d'autres petits aspects, marketing, communication, la relation avec nos clients en B2B, donc les boutiques d'Airsoft à qui on vend des produits, les portes ouvertes que j'organise avec les commerciaux terrain, donc en France notamment, où je me déplace quelquefois. Donc c'est tous ces petits aspects-là qui sont majoritairement de la communication. Alors Cybergun, tout le monde connaît de nom au moins, vous êtes une grosse société. J'espère. Française cotée en bourse. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'historique de votre société jusqu'à maintenant finalement, ou ouais, c'est plus du tout, je pense, comme ça a commencé? Ça a beaucoup bougé. Donc ça a été créé en 86, ça s'appelait les Trois Pylônes à l'époque pour les plus anciens. Et c'est la société qui a importé l'airsoft en France en 93, je crois. Okay. Donc c'était le premier distributeur d'airsoft français. Donc, à part vous, c'était impossible de se procurer des répliques en France? Je ne sais pas si c'était... En fait, c'était très différent d'aujourd'hui. À la base, l'airsoft, c'était des maquettes. Les premières répliques d'airsoft qui sont arrivées. On a le directeur de la R&D chez nous, qui est chez nous depuis plus de 20 ans. Lui, voilà, quand il parle d'airsoft, bon, il a vu tout, il a vu des fournisseurs naître qui n'existaient pas, tu vois, KWC, nous on connaît tous, lui, quand il a commencé, ça n'existait pas. Ouais. L'arrivée du CO2, enfin tout ce genre de choses, lui, quand il t'explique son début de l'airsoft, c'était des maquettes que tu achetais et que tu montais. Donc je suis incapable de te dire comment c'était exactement à l'époque, parce que j'étais même pas né. Mais oui, c'était différent, il n'y avait pas de distributeur, peut-être qu'il y avait des maquettistes ou des trucs de jouets, des magasins de jouets qui importaient comme ça au goutte à goutte, mais vraiment cette activité de distribution elle est venue comme ça, puis après il y en a eu d'autres qu'on connaît tous. D'accord, et du coup ces répliques à cette époque, elles n'étaient pas spécialement vouées à jouer comme nous on entend l'airsoft maintenant, mais plutôt pour des gens qui aimaient faire des maquettes et exposer chez eux. Ouais, au tout début, après c'est l'histoire de l'airsoft au Japon, quoi, où ça a commencé par ce qu'ils appellent des model guns, et puis après l'airsoft avec l'AEG, Tokyo Marui, etc. Puis, ce qu'on connaît maintenant. L'histoire, tu la connais, en c'est plus ça. T'as du Tokyo Marui, donc je vais t'expliquer. donc ça a commencé comme ça, après il y a eu toute la partie des produits sous licence, c'est-à-dire de se dire qu'une réplique, elle pouvait être authentique, avec l'aval de ce qu'on appelle le licensor, donc du manufacturier d'armes, comme FN Herstal, Colt, plein d'autres, on en a une vingtaine. Je ne vais pas essayer de tous les citer. donc il y a eu cette activité-là, et puis il y a eu plein de péripéties, c'est une boîte qui a été en difficulté pendant un moment. Il y a eu une nouvelle direction en 2014, ça a lancé une nouvelle impulsion, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, certaines activités qui ont été complètement mises de côté, comme le jeu vidéo qu'on a fait à une époque, qui a été complètement arrêté. On s'est dirigé notamment sur le militaire, je crois qu'on en parle un petit peu après, donc je vais pas spoil tout. Donc toute une partie militaire, réplique d'entraînement Airsoft. Et puis, donc aujourd'hui, Cybergun, c'est quand même un groupe assez fort dans l'airsoft, parce qu'il y a toujours cette activité de distribution avec des licences. On développe aussi certains produits avec des fournisseurs, et donc on ne fait pas juste de la distribution, on apporte aussi de la nouveauté avec le travail qu'on fait avec les licensors, comme le Canic et comme le FN509, que je te montrerai un peu après. Okay. Y a cette partie militaire et industrie qui a beaucoup évolué, puisqu'en 2021,
on a fusionné avec une entité qui s'appelle Valenture. Du coup, on a créé une nouvelle société qui s'appelle, une nouvelle partie du groupe qui s'appelle Arcania, qui s'occupe de tout ce qui est militaire et défense. Donc on a plein de choses, on a justement les anciennes répliques Spartan, tout ce qui était tir militaire. Une partie simulation, avec plus des répliques d'entraînement, mais des simulateurs. Une partie industrie, on fait les conteneurs de moteurs de rafale, les conteneurs pour les missiles Mika, les bancs d'essai du missile Mika pour MBDA. Et donc une énorme partie industrie, on a plusieurs sites, à Blois, Amboise, Vierzon, où ils font menuiserie, tout ce qui est soudure, usine à CNC, métrologie, enfin... Donc ça, c'est des métiers qui sont venus finalement après votre cœur de métier premier, tout récemment, ce qui est souvent l'inverse dans les sociétés qui font d'abord de l'industrie puis après ils tendent. Ça c'est tout récent. C'est intéressant ça. Et en 2022, donc on a racheté la société Vernet Caron, qui est le dernier manufacturier d'armes français, un des derniers puisqu'il reste PGM, enfin quelques petits comme ça. Mais Vernet Caron, c'est quand même un nom que tout le monde connaît. Donc Vernet Caron pour la branche chasse et Lebel qui appartient à Vernet Caron pour la branche défense. Et voilà, donc ça c'est depuis 2022, c'est tous dans le même groupe. D'accord. Et donc ils sont toujours à Saint-Étienne. Et la dernière activité, donc en plus du B2B, c'est le B2B sur la partie Asie et USA, qu'on divise de la partie Europe. C'est l'autre service que je te montrais. Où là, du coup, USA c'est dédié à e-Vike et l'Asie c'est là où on fait les deals de distribution en fonction des pays pour certains produits. D'accord. Voilà, pour qu'il y ait des produits sous licence aussi en Asie. D'accord. Sous licence officielle. Ouais, parce que souvent, en Asie, forcément, c'est un peu plus de contrefaçon. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, le but, c'est d'essayer d'apporter une uniformité sur tous les produits. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, pour ponctuer un petit peu cette interview, je vais te faire deux petits mini-jeux. Okay. Le premier maintenant, et l'idée, c'est de voir si tu connais bien les produits que tu vends. Alors, c'est pas pour te piéger, mais on t'a mis des petites choses. Donc là, ce premier jeu... Je vais te montrer en fait des zooms dans l'image d'une de tes répliques que vous vendez. Ouais. Et l'idée, c'est de retrouver à partir de zoom quelle réplique c'est. Okay. Je peux t'avoir glissé un petit peu n'importe quoi. Attention, je te préviens. Ça marche. Puis le deuxième jeu, on verra tout à l'heure, un petit peu plus tard. Donc, je vais te montrer des photos très zoomées. Je vais te mettre... Ouais, c'est bon le chrono. Je pense que 45 secondes, c'est pas mal. C'est 45 secondes pour trouver ? Ouais, ça me semble bien. Ça marche. Et il faut que tu me donnes le nom de la réplique exacte, tu vois. Va pas falloir que... Tu me dis pas juste le prénom et pas le nom, je veux le nom-prénom. Ok. Donc, je lance le chrono pour 45 secondes et je te file ça. Ah, ça c'est facile. Ça c'est facile. Ça c'est une plaque de Colt 1911, mais on n'a pas de Colt 1911 avec cette couleur, cette teinte de plaque, donc c'est un auto-ordnance. Mais après, est-ce que c'est le marble ou le matte black? Il est bon. Je vous le dis, les gars. Parce que moi, quand je vois ça, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Je dirais que c'est le... Je crois que le matte black, il n'est pas les mêmes plaques, je crois. Donc, ça doit être pour moi, c'est le marble. Ok. C'est exactement ça. On remet le nom en dessous. 33 secondes. Ah ouais, t'es large. T'es large, parce que déjà, t'as sorti le truc d'entrée. Ok. Le grip comme ça, en losange, là, c'est... Ouais, moi, tu vois, moi, je vois ça, je me dis, tiens, c'est un truc de football US... Ok, on va aller un petit peu plus dur. Ah, c'est facile aussi, ça. Ah, salaud. C'est un SCAR. C'est plus dur sur le coup de la crosse. Est-ce que j'ai le droit de me tourner pour regarder le SCAR FC derrière? Tu peux. Ouais, c'est un SCAR FC. Oh, putain. Après, est-ce que c'est... Je pense que c'est un SCAR FC... Est-ce que c'est le Bolt? C'est ça, là, il faut savoir. Eh ben, c'est le CIMA. Eh non. C'est le Bolt ? C'est le Bolt. Mais bon, déjà, t'as trouvé quand même cet ASC, on n'est pas trop mal. Ah non, en fait, j'ai un SCAR L, enfin j'ai un SCAR H, moi. Et ces trois vis-là, tu les as aussi, donc je les ai... Oui, c'est pour ça que je t'ai mis les... Ouais, ok. Je connais Marc. Bon. Ok. Et c'est parti. Aff ! Ouais, je me doutais. Bon, ça, c'est une queue de détente. C'est le Canik TP9. C'est le noir. Oh là là. 550-001, si vous voulez la réplique. J'ai mis 10 secondes. Je voulais plus zoomer. Mais oui, parce que la... C'est ça, c'est l'arrière de la queue de détente. Là, on le voit. Hop, tu vois, et qui revient comme ça. Putain. Là, comme ça, tu vois. Bon, ça, je me débrouille bien. Et j'ai connais ces produits. C'est parti. Non. Off. C'est une connerie, ça. Une table derrière.
Vous, bah, vous le faites pas, mais on aimerait vraiment qu'un jour ça soit répliqué, qu'on puisse l'acheter et l'avoir à la maison, tu vois. Si on peut faire des parties d'airsoft avec ça, c'est cool. Ça, c'est pas un canon parce qu'il y a des vis, tu vois. On pourrait croire que c'est un canon. C'est pas une Gatling parce qu'il y a 6 canons, c'est peut-être une Gatling M134 classique Army, tu vois. Genre... Non, pas tout à fait. Ah, le temps passe quoi. Ah là, c'est chaud. Ouais. Non, bah là, je vais pas. Moi, c'est pas un de tes produits déjà. Là, bah, là, non, on t'a pas piégé. Mais déjà, j'ai remarqué que mes produits avaient une qualité photo très nette. Là, c'est Google Images. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est ? Avec des comme 5 ça, secondes. Des vis comme ça, mais c'est un truc d'avion, c'est un canon. Ah, tu t'en rapproches, C'est pas un truc. C'est une Browning M2. Je vais te montrer ce que c'est. Là, du coup, là, c'était vraiment dur. Ah oui, non, mais d'accord. C'est le fleuron de l'armée de terre. Impossible c'est de trouver. Charles Leclerc. Effectivement, c'était vraiment impossible en fait, de la trouver. Vu de près, les vis paraissent toutes petites. Donc oui, je voyais un c'était le but de ce zoom-là, sinon. Truc, ouais. Là, c'était chaud. Voilà, bon, tu pouvais donc, pas voilà. Trouver, évidemment. Merci d'avoir joué le jeu. On se retrouve plus tard. C'était super drôle. On se retrouve plus tard pour l'autre, qui sera un petit peu plus... Je pense que l'autre, je vais rater. Ouais, moi, j'espère aussi que, voilà, que tu prouves pas trop, que tu connais tout, quoi. Alors, OK, c'est intéressant. Moi, quand j'ai commencé l'Airsoft, vers 2005-2010, à peu près, Cybergun souffrait quand même d'une image qui n'était pas spécialement bonne, avec du repacking de chips où vous mettiez sûrement des licences. À l'époque, j'étais... pas à fond, non, mais je me rappelle de Kalashnikov. Moi, j'avais 7 ans, tu vois, voilà. Donc j'avais pas trop d'avis là-dessus à l'époque. Non, mais moi, je me visualise ces AK-47 estampillés Kalashnikov. Avec la tête de Mirai dessus. Exactement. Et qui était, voilà, du repack. Et du coup, bah, forcément, ça marchait une fois sur deux. Enfin, c'était pas terrible. Et je sais que Cybergun souffrait de ça. Et sur les terrains, bah, on avait tendance à dénigrer un petit peu. Tu nous as dit qu'en 2014, si je me trompe pas sur la date, vous aviez... remodeler un petit peu tout ça, ouais. Voilà, pour redonner une nouvelle direction, un nouveau souffle. Mmh. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces problèmes là, qu'il y avait avant, que moi je connais, ben, c'est effacé et c'est derrière vous? Alors, je peux pas te dire que c'est effacé parce qu'il y a la vie des gens, tu peux pas le, c'est sûr, pas le changer. Ouais. Ou du moins que vous essayez au maximum, ouais, d'effacer ça. Moi, je suis là depuis 3 ans, c'est ce que je m'efforce à faire. J'avais pas d'a priori négatif sur Cybergun quand je faisais de l'airsoft avant, mais je savais ce que les gens en pensaient, parce que bah, tu parles aux gens sur le terrain, tu vois ce qui se dit en vidéo et tout, donc je savais très bien quelle était la vie. Je l'ai pris comme un challenge, plutôt que de se miner et de se dire « oui, bah, de toute façon, les gens, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'on est des cons », je l'ai pris plutôt comme un challenge. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on a bien réussi ces 3 dernières années, enfin, quand je rencontre les gens sur le terrain ou en boutique, sur les portes ouvertes, ce genre de choses. Bon, ça n'empêche pas les gens d'être focus, mais moi, j'ai quand même pas mal de bons retours pour dire que ce qu'on faisait, c'était bien, qu'on voyait qu'il y avait une volonté de s'améliorer et tout, donc ça fait plaisir. Tu vois, par exemple, la vidéo qu'on a fait du Scar SC, qui est sortie l'année dernière en décembre. Bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de distributeurs d'airsoft en Europe et même dans le monde qui ont sorti des vidéos dédiées à des produits de cette qualité-là, avec du matériel de cette qualité. Alors, sans faire élitiste, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment... les personnes qui sont sur la vidéo sont très bien équipées, ont des mouvements qui sont, je ne vais pas dire parfaits parce que personne n'est jamais parfait, mais qui sont quand même très corrects. On a essayé de donner un esprit premium, c'est réussi, et aujourd'hui, en 2022, quand la vidéo est sortie, je n'ai pas trouvé d'autres marques qui ont sorti. Non, c'est vrai, moi c'est ça qui m'a justement changé cette image-là, quand je revois tout le marketing que vous faites, effectivement c'est très classe. Et j'ai l'impression que vos produits, du coup, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, où c'est des vrais produits que vous développez, c'était pas du tout le cas avant. Où là, il n'y avait aucun développement, moi, 2005-2010, vous ne faisiez pas de produits. En fait, c'est plusieurs aspects différents. Bon, déjà, pour finir sur cette histoire d'image de marque, ce style de vidéo-là, c'est plutôt des trucs que tu retrouves dans le monde de l'armement, Spiritus System, pour ne pas les citer, et d'autres. Donc bon, ça c'est une ligne directrice que tu prends, qui donne un aspect à la marque, mais c'est pas pour autant que tous nos produits sont ultra quali, parce que du coup on a une gamme très large, et on fait aussi des springs à 5-10 $ pour ce qu'on appelle les chain stores aux États-Unis, qui sont tout ce qui est les basses pro, enfin comme les grands décathlons, et là en fait on a des produits qui valent, c'est des pistolets à billes de foire quoi, mais parce que c'est ce qui marche bien aux États-Unis. Vous couvrez tout le spectre pour... Mais du coup ce type de produit là de spring ou d'AEG un petit peu entrée de gamme, tu peux pas les mettre en avant de la même manière que tu vas mettre un Scar SC à 500 €. Donc il faut réussir à faire un choix, une balance, c'est pas forcément facile. Au même titre que l'airgun, tu peux pas le mettre de la même façon. Il y a un peu plus de développement aujourd'hui. Je pense que c'est pour plein de raisons. Je pense qu'aujourd'hui le marché est beaucoup plus concurrentiel.
y a plein d'acteurs qui sortent des répliques qui sont soit moins chères, soit avec des licences différentes, avec plein de choses. Donc c'est un peu plus concurrentiel. Donc forcément, tu es obligé de t'adapter. Ça nous pousse vers le haut. C'est super la concurrence. Ouais, mais je dis, ça pour tous. Pour nous, comme pour d'autres acteurs, comme Humarex, comme tous. Enfin, évidemment, on fait attention à ce que tout le monde sort. Et parfois, on se dit, ah ouais, qu'on n'y a pas pensé avant. Et peut-être qu'eux se disent la même chose de leur côté sur certains trucs quand ils voient qu'on obtient une nouvelle licence et tout. Ils se disent « Ah ouais, mais attends, mais pourquoi nous, on n'a pas réussi à les avoir ?» Donc, il y a cet esprit-là qui fait qu'on développe plus. On a aussi une R&D qui est plus du tout la même qu'en 2005. C'est-à-dire que si je ne dis pas de bêtises, en 2005, c'était une ou deux personnes, c'est-à-dire le directeur de la R&D aujourd'hui, et une personne en plus. Tu vois, peut-être qu'ils étaient deux, trois. Donc, tu n'as pas la même force de frappe qu'aujourd'hui, où en fait, avec la partie militaire, on a un bureau d'études militaires qui doit faire une trentaine de personnes, peut-être un petit peu plus, plus la R&D civile, où ils sont aussi quelques-uns. Et en fait, les améliorations que l'un trouve profitent à l'autre. Et tu peux... Il y a plus de matériel. Je veux dire, aujourd'hui, avec Arcania, on a tout ce qui est l'usinage CNC. Donc, si on a vraiment besoin de faire un prototype parce que c'est trop compliqué de le faire en Asie et tout, on a cette capacité-là de le faire rapidement. Enfin, c'est dans la même usine. Si un jour vous venez à Blois, bah, plaisir, okay. Je t'invite. Donc, on a cette capacité-là. Aujourd'hui, il y a un truc qu'il n'y avait pas en 2005, c'est tout ce qui est l'impression 3D. Donc, tu vas beaucoup plus vite. Les mecs, ils modélisent un truc, ils peuvent le sortir plus rapidement, voir si directement, ça ne marchera pas du tout. Si déjà, ça ne marche pas avec l'impression 3D, ça ne marchera pas avec la pièce finale, quoi, si ça casse. Voilà. Donc, ça permet déjà de faire plein de tests, rien de tests de dimension et tout. Donc, il y a ce volet-là, à mon avis, qui fait que c'est plus facile de développer des choses aujourd'hui. C'est-à-dire que même toi, demain, tu achètes une imprimante 3D chez toi. Si tu te butes à la modélisation, oui, tu feras des trucs, quoi. Après, il y a une différence entre juste la modélisation et l'industrialisation de tout un projet avec des coups de moule, tout ça. Donc, il y a ces aspects-là qui font peut-être qu'on fait un peu plus de développement et qu'il y a une équipe marketing aussi. On essaie de faire attention à tous les aspects. C'est-à-dire, on travaille le packaging, on travaille la notice. On vient de sortir des notices vidéo. Ou du coup, sur les prochains packaging, tu auras un QR code et tu retrouveras directement la notice de ta catégorie de réplique. Ça explique pas tout de A à Z, mais ça explique pour le mec qui veut démarrer. Bon, bah voilà, il sait comment être sa capsule de CO2, à peu près, tu vois, comment charger. Non, non, mais c'est bien, oui, sur les choses de base, effectivement, c'est une bonne idée. Après, t'empêcheras jamais quelqu'un de visser la capsule, enfin, de visser le truc à temps travers dans le pas de vis et de tout casser. Mais bon, moment, si tu veux, après, pas derrière chaque personne. On est bien d'accord. Mais voilà, le but, c'est d'accompagner le plus possible avec les communications qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chez nos clients à qui on fournit, ça peut être des posters, des bâches, des roll-up, des goodies. Voilà, essayer d'être un petit peu, d'avoir un meilleur accompagnement et d'être plus présent. Ok, donc tu nous parlais des licences, c'est aussi ça qui fait votre force. Donc vous êtes détenteur de beaucoup de licences même très prestigieuses dans le monde de l'armement, comme Colt, Kalachnikov, FNRSTEL. Yes. Comment vous faites pour réussir à avoir ces licences et comment les marques vous font confiance pour apposer leur marque, finalement, leur image sur la vôtre? Ça, c'est le secret, ça. Donc on ne peut pas le dire, fin de la question. Donc on a fait plus d'une vingtaine de licences et c'est vraiment notre cœur de métier parce que c'est ça qui apporte une partie de la valeur ajoutée au produit. Parce qu'en fait, justement, on peut en parler du repack, de mettre une marque sur un produit et on n'en parle plus. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire comment c'était en 2005, j'y étais pas, pas, donc je ne vais pas t'inventer un process. Non, pas de souci, parlons de maintenant, justement. Aujourd'hui, chaque produit qui sort sous licence, il est validé une fois, voire deux fois, si ce n'est presque trois, par le licensor. C'est-à-dire qu'il y a une première approbation qu'on appelle une approbation de design, où en fait, on va envoyer, je dis n'importe quoi, à FNRSTEL, un FN509 en photo, on va lui dire « nous, on aimerait bien faire ce projet-là, tel mode de propulsion, telle gamme de prix, pour tel marché. » Oui, non. Okay. Alors, on a déjà des accords de licence, de toute façon, qu'englobe certaines catégories de produits sur certaines zones, ou des fois, c'est le monde entier, tout ça dépend du contrat. Quand tu dis « tel marché », ça veut dire quoi? C'est le marché géographique? Voilà. Oui, ok. D'accord. Parce que, par exemple, tu as certaines licences qu'on va avoir que pour les US, ou que pour l'Europe, ou que pour la France. C'est de plus en plus rare parce qu'au fil du temps, on essaie d'avoir minimal Europe, si ce n'est le monde, parce que c'est ce dont on parlait tous les deux en off tout à l'heure. Quand on fait un développement de produit, qu'on travaille sur un produit en R&D, si on le fait pour un tout petit marché, c'est plus dur à rentabiliser que si tu le fais pour le monde. Okay. Donc du coup, ça c'est pour l'aspect validation de design. Donc là, t'as oui avec modification et non,
parce que pour X raison, la marque peut dire bah non, ça c'est un produit qu'on fait plus, ou j'ai pas envie de voir ça, ou bon, voilà, c'est eux qui décident. Là-dessus, nous on est un peu l'entre-deux. Donc si la licence dit, si le licensor dit non, on peut discuter. Mais si c'est non, à un moment, ce sera non. C'est déjà arrivé. Hein. Heureusement, c'est un peu rare, mais c'est déjà arrivé. Et ensuite, tu as une valide, donc tu as tout le travail qu'on fait. Une fois que ça c'est validé, on peut commencer à se lancer dans le développement ou dans la recherche. Parce qu'en fait, tu as trois types de produits. Tu as l'achat sur étagère, on en fait un peu, c'est-à-dire on achète directement des fournisseurs et on revend directement. Sans modification de packaging, de machin, on fait notre travail de distributeur. Okay. On a notre réseau de boutiques dans le monde et principalement en Europe. Voilà. Donc on distribue. Là, on parle pas de licence, du coup. Là, on parle même pas de licence. Oui, okay. Tu vois, par exemple, on a déjà distribué des produits Silverback ou Marui. Okay. Là, tu fais pas de travail d'image de marque, il n'y a pas de post sur les réseaux sociaux tant que ça. C'est juste, bah voilà, on a ce produit-là en stock. Voilà, ça fait du flow de produits. Okay. C'est bien aussi parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas au catalogue. Parce que je parlais de Silverback, tu vois, les snipes, c'est vraiment pas le point fort du catalogue Cybergun. Bon, bah, c'est toujours sympa. Si tu as un client qui a besoin d'une implantation, d'une commande, bon, bah, il peut avoir aussi des snipes sympas en passant commande chez Cybergun. Donc, ça, c'est une partie du travail. C'est pas le plus fun non plus. C'est de la charge. Ensuite, tu as l'OIM. L'OIM, c'est le fait. Donc, tu as des fournisseurs qui font déjà des produits, style une M4 Sima ou un AK-Sima. Et en fait, le fournisseur, il va te dire bah voilà, moi, j'ai ces produits-là. Est-ce que ça t'intéresse comme base? C'est-à-dire, on peut modifier la crosse, les marquages, les organes de visée, le cache-flamme, pour en faire un nouveau produit, mais sans refaire un moule à chaque fois. Parce que ce qui coûte cher dans le développement, c'est le moule. On est à peu près, en fonction du produit, ça peut être 150 000, 200 000 euros de moule. Donc ça, déjà, il faut l'amortir. Oui, c'est clair. Il faut l'amortir. Donc ça, l'OIM, c'est un peu plus facile, dans le sens où, dans notre recherche, par exemple, si on veut faire une nouvelle gamme de Colt M4, il n'y a pas besoin de refaire les moules du corps d'une M4A1. Tous les fournisseurs l'ont. Donc, ce n'est pas vraiment du développement, mais ça ne t'empêche pas d'améliorer l'interne, de changer la crosse, machin, enfin voilà. Et ensuite, tu as le développement complet où là, bah, tu pars de zéro et tu fais tout. Donc, c'est à partir du moment où on a l'approbation de design, qu'on a soit la phase d'OIM, soit la phase de développement qui commence avec le fait de bah, te mettre de l'argent sur la table. Parce que la R&D qui travaille, c'est du temps humain, mais c'est de l'argent quand même. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. Du coup, vous avez les marques, vous avez la R&D de la marque qui travaille des fois pour vous. C'est pas forcément votre R&D à vous. Alors, non, ils travaillent pas. On travaille ensemble, mais ils travaillent pas pour nous. C'est-à-dire que par exemple, on va demander à FN Herstal ou à Canic les dessins techniques avec toutes les cotes de l'arme réelle qu'on a besoin de faire. Okay. Parce que si nous, on doit deviner quelle taille fait en fait vraiment le flingue, tu n'as jamais une échelle à unième. Oui, ouais, c'est sûr. Mais quand je dis, par exemple, admettons c'est WE qui est derrière une réplique, dans la mécanique, etc. Eux, ils engagent leur R&D pour développer le produit. Ce n'est pas uniquement la R&D Cybergun qui va travailler. Justement, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que nous... Pardon. Non, mais c'est une bonne remarque. Nous, on fait ce premier travail. On réfléchit à quel fournisseur on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une étape de confidentialité avec des NDA, donc des accords de confidentialité, parce que sinon, ça marche bien. C'est comme ça que ça marche. Où en fait, bah, du coup, on discute avec les fournisseurs. Est-ce que toi, c'est un projet qui t'intéresse? Est-ce que toi, c'est un projet que tu es capable de faire? Est-ce que tu as la bande passante pour le faire? Parce que tu as des usines qui sont très demandées et qui vont regarder, qui vont dire, bah ouais, mais là, j'ai personne de ma R&D pour travailler dessus avant X temps. Ou j'ai pas de place sur ma chaîne de prod pendant X temps. Bon, bah là, c'est pareil, on est coincé. Si tu veux, si on a choisi ce fournisseur-là, on peut pas inventer du temps humain ou de la chaîne de production d'ici. Donc du coup, oui, en effet, une fois que c'est fait, on envoie le projet à la R&D, par exemple, de WE ou de VFC ou d'un autre. Et cette R&D travaille dessus à intégrer quelles technologies ils ont déjà, parce que c'est dans leur intérêt aussi de réduire les coûts. Ils vont pas tout réinventer à chaque fois. Ah oui, c'est sûr. Quel bloc up on peut réutiliser, quel canon, quel enfin voilà tout ça, quel gearbox. Et ensuite, du coup, bah ça fait plusieurs allers-retours entre les différentes R&D. Et une fois qu'on considère qu'on a un produit valable, c'est-à-dire valable dans, techniquement, qui fonctionne, qui est fiable et fidèle visuellement, on envoie une réplique ou deux, ça dépend des licensors qu'on demande d'eux, on leur envoie directement le produit physique et là ils font une validation de prototype, ce qu'on appelle. La validation de prototype, une fois qu'elle est faite, ça déclenche la commande plus ou moins. Quoi.
Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est pas que le produit, ça peut être les licensors peuvent te faire un retour sur le packaging, sur la notice. Ah oui, ils prennent vraiment tout en compte. On fait tout valider, tout ce qui est physique. C'est-à-dire, bon, moi, mes posts sur les réseaux sociaux, je ne fais pas valider tous les posts des réseaux sociaux à chaque licensor parce que je ne pourrais jamais tout sortir à temps. Parce qu'ils ont aussi beaucoup de travail et ils ne répondent pas forcément dans la journée. Enfin, bon, la semaine, mais pas forcément dans la journée. Donc, moi, si j'ai besoin de faire un post Facebook en urgence, donc voilà, ça, on n'est pas obligé de les faire valider. Mais par contre, tout ce qui est physique, les bâches, les goodies où on impose le nom des licences, les noms des marques. Ouais, ça, c'est leur image, donc forcément... Fait tout valider, ce qui est logique. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Voilà, ouais. Si toi, je mets ta photo partout dans la rue, tu vas me dire, bah, demande-moi mon avis avant. Quoi. J'espère. donc voilà, ça, c'est ces étapes-là sur le fonctionnement de la licence. Donc du coup, je ne sais pas comment ça marchait à l'époque du Repack, mais aujourd'hui, un produit qui sort, il faut se dire qu'il a été validé. Oui, bah, je pense que ça a bien changé. Ça a été validé par... Alors après, que les joueurs disent, ouais, mais moi, ça ne me va pas pour telle ou telle raison. En tout cas... Ceux qui fabriquent l'arme réelle, on dit go. Ouais. Après, peut-être que ce n'est pas un produit qui t'est destiné, peut-être que machin. Il y a mille débats dessus. Donc ça, c'est sur cette étape-là. Et après, pour obtenir d'autres licences, il n'y a pas forcément de recette magique. C'est du business, c'est savoir se vendre. Parfois, c'est y aller au culot. Moi, des fois, au show de show, je suis déjà allé sur des stands et dire, ah bah tiens, en cité de nom, bah tiens, il y a le patron de tel fabricant d'armes qui est là. C'est une licence qu'on n'a pas ou qui est détenue par quelqu'un d'autre. Allez, je vais aller lui parler. Mais alors du coup, quand t'as cette licence, et elle court sur un certain temps, je pense, vous signez un contrat, 3 ans, admettons. Donc quoi, tu dis, tu l'as pas, c'est un autre qui l'a, tu pourras pas lui choper, tu pourras juste, au renouvellement de ce contrat, tu pourras choper le contrat. Quoi. Tu sais jamais, on n'a pas les contrats des autres, et les autres n'ont pas nos contrats, donc je sais pas combien de tel a avec un tel. Mais voilà, juste de... Tu vas sourire, tu vas te présenter, voilà, et tu présentes ton truc. Tout le monde le fait avec tout le monde. Ah bah je me doute, oui, la concurrence, elle est partout. Donc, on se concentre surtout sur des licences qui sont pas détenues, parce que déjà, il n'y a pas cette histoire de contrat qui existe déjà, et de spiquer les licences. Il y a tellement de fabricants d'armes que je pense qu'il y a cette place pour tout le monde. La preuve, on est plusieurs. Et puis, c'est plus intéressant parce que moi, quand je fais ça, c'est aussi dans une démarche. Enfin, je suis airsofter, donc je suis content de me dire que peut-être que ça va apporter un truc nouveau dans l'airsoft. Alors, pas forcément nouveau en technologie, mais en tout cas nouveau visuellement, tu vois. Oui. Le canic, oui, t'as cette image, cette vision qui est intéressante, je pense, pour Cybergun. Voilà. Après, c'est une vision joueur qu'il faut savoir garder dans un coin de sa tête. Mais quand tu travailles chez Cybergun, le business, il faut avoir aussi une vision business, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages, pourquoi vous faites pas telle réplique, telle réplique, telle réplique, mais parce qu'on va en vendre 10 et qu'elles vont coûter 1000 balles. Non, mais là c'est bien justement que tu expliques, parce que justement je pense que les gens qui nous écoutent se rendent un petit peu plus compte de tout ce qu'il y a derrière, et c'est pas simplement tenez, on va sortir ça vous fait plaisir. On n'a pas l'usine derrière. Ça, c'est une partie du truc. Et puis après, oui, c'est une relation de business. Donc avec les licensors, c'est leur rendre des comptes, leur montrer ce qu'on fait, le fait qu'on a mis en avant leur marque, dans quel secteur, comment, de manière pas dénigrante. Tu vois que quand ils aillent sur le Facebook ou l'Instagram de Cybergun, il n'y a pas cette marque-là qui soit montrée genre comme le top du top, oui, puis que et qu'à côté, les photos, elles sont prises dégueulasses et tout. Donc il y a cet aspect un petit peu... de sympathie, montrer ce qu'on fait, montrer qu'on s'investit pour eux, qu'on les représente et bien. Et puis il y a l'aspect protection intellectuelle. C'est tout ce qui est regarder s'il y a des contrefaçons de fait avec cette marque-là. Et en airsoft, évidemment, parce qu'il y a d'autres domaines, et de faire respecter les droits de la marque. Alors ça plaît pas forcément aux joueurs, ni forcément aux fabricants, parce que forcément, t'as un mec qui avait décidé de s'acheter telle réplique, qui avait les marquages et tout, et qui était pas cher, et là, d'un coup, c'est retiré du marché parce qu'il n'y avait pas la licence, mais que ce soit, en fait, ça, on le fait tous, je veux dire, tous les distributeurs d'airsoft qui ont des licences se doivent de faire respecter la propriété intellectuelle. Mais c'est parce que l'airsoft, quand t'es passionné, toi, t'as pas envie qu'on te mette des barrières. T'as pas envie qu'on te dise, non, ça, tu peux pas l'avoir avec marquage. Ou alors que tu peux, mais tu vas payer 6 fois le prix. C'est sûr que les gens ne comprennent pas trop. Peut-être pas 6 fois le prix non plus. Oui, j'exagère, mais certains trucs. Après, même. Frais de licence. Là, on parle de réplique, mais même dans le monde de l'airsoft, on peut le citer, je pense. On a AliExpress, t'as des mecs qui vont acheter des lampes sur Fire à 25 balles, alors que la vraie, elle en vaut 300. Donc, tu vois, ce rapport de x6, des fois, même, on va beaucoup plus loin. Et c'est vrai que le mec, il veut juste avoir son Surfire sur sa lampe, même si derrière,
électronique, elle est dégueulasse et que ça va pas marcher oui, bien longtemps. C'est joli sur mais c'est vrai que l'airsofter, voilà, on aime bien aller jusqu'au bout du geste. Et... Alors que c'est tout à fait logique. Si tu prends Apple, bah, c'est normal que si tu travailles avec Apple et qu'il y a quelqu'un qui contrefait leurs produits, bah, tu vas leur dire. Enfin, bon, Apple, ils sont assez gros pour. Je pense qu'ils peuvent se défendre. Ils sont assez gros pour arriver et te faire comprendre que c'était pas une bonne idée. Mais voilà, c'est ça dans toutes les marques et dans c'est la propriété intellectuelle. Au même titre que si toi demain tu sors une chanson, bon, il est pas chanteur, mais ça va venir. Peut-être que si demain tu sors une chanson, moi le lendemain je sors la même, tu vas me dire mais non, c'est moi ça. Je vais te dire mais non, moi. Bon bah tu vois, c'est la même chose pour les licences. Donc on a ces deux volets-là de montrer qu'on met en avant leur marque, qu'on peut protéger leur propriété intellectuelle et leur marque du fait que ce soit contrefait ou fait d'une manière qu'ils n'ont pas validée. Et puis, il y a un troisième aspect qui est évidemment financier puisqu'on paye des droits de licence. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des marques d'armes qui refusent catégoriquement de s'allier à l'airsoft ? Catégoriquement... Qui a vraiment jamais été répliqué et que, alors copié, mais jamais vraiment comme vous le faites. Jamais, c'est difficile parce que les trucs les plus connus, ça sort forcément, d'ailleurs maintenant tu vois, alors moins sur les répliques mais plus sur tout ce qui est accessoires, Surfire et tout, t'as des copies qui sortent avant le produit réel. Ouais. Je pense au dernier désignateur laser de Hotech, tu peux déjà l'acheter et le recevoir. D'accord. En l'achetant sur AliExpress et autres trucs comme ça, alors qu'à Hotech ils l'ont toujours pas sorti. Okay. Et tous les marquages sont bons, tout est bon machin. Comme l'espèce de truc que tu mets sur le rail pour changer le... Ça s'appelle l'antimateur, voilà, pour changer le zoom de ton LPVO. Ah oui, voilà. Le long du RIS, là. Voilà. Ouais. Ça coûte $600, c'est, tu peux l'acheter à $100. C'est sorti il y a quelques mois. Ouais, ça donc, c'est sûr. Donc ça va très très vite, aujourd'hui, la contrefaçon et les copies. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont tout intérêt à quand même s'allier ouais, avec... Si tu veux, une marque qui n'a pas été copiée, ça va pas être une très grosse marque ou un très gros produit de la marque. Okay. Mais ça, moi, par exemple, il y a une licence qui, pour l'instant, n'est pas encore détenue en Airsoft, que j'avais démarché. Aujourd'hui, ça a toujours rien donné. Enfin, ils n'étaient pas trop intéressés. Au moment où je les ai démarchés, ça n'existait pas. Et là, en 3 ans, les premiers produits commencent à sortir. D'accord. Et moi, j'étais allé les voir. Je leur avais dit, bah, je suis allé les voir 2 ans d'affilée au Shot Show. Puis là, j'y suis encore allé cette année. Je leur ai dit, bah, t'as vu, ça, c'est sorti de telle marque et tout. Il m'a dit, ouais, je sais. Et j'ai dit, du coup, tu veux rien faire parce que c'est... Il m'a dit, on verra plus tard. Donc bon, alors ça, c'est soit qu'ils ont quelqu'un d'autre, un autre partenaire en vue, soit ils ont peut-être qu'ils veulent faire l'airsoft eux-mêmes, j'en sais rien. Mais ça va quand même assez vite. Donc bon, aujourd'hui, par exemple, il n'existe pas de contrefaçon mécanique, à ma connaissance, ce genre de choses. Mais ça va quand même très vite, quoi. Donc c'est rare que les marques te disent à 100% non. Ouais, non. Okay. Et puis bah, après, c'est leur choix, hein, si... tant pis. Oui, c'est sûr, oui. Ok.